Les enfants, ma chérie, les enfants, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces cons? Les enfants, ma chérie, les enfants, je vous attends, c'est l'heure d'aller voter. Ah ben t'es là toi? Tu peux pas répondre quand je gueule comme un putois? Elle est où ta mère? Elle dort? Ah bon? Elle est couchée? À 5 heures de l'après-midi, elle se couche et elle dort? Qu'est-ce qui lui prend? Je sais qu'elle a vieilli, mais là, 5 heures au lit, même les vieilles paysannes qui se couchent avec les poules, elles ne dorment pas à 5 heures. Et même les poules que j'ai connues personnellement dans ma jeunesse à la ferme, j'aimais te dire que pour les faire pioncer à 5 heures, il fallait les shooter, hein? Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Et ta sœur, elle est où? Elle se prépare? Ah bon, qu'elle accélère quand même. Ah ben la voilà. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Tu vas pas aller voter dans cette tenue? Elle est carrément classée X, ta robe. On va pas à la remise des hot dogs, on va à la mairie. On a pas fait installer des isoloirs au bain-douche. Oh, oh, doucement. Doucement! Si tu cries, t'es gentil, t'enlèves le piercing de ta langue, ça fait l'arcène avec celui du menton. Les là, tu restes ici. Tu bouges pas. Pas bouger. Là, toi aussi. Tous les deux. Tous les deux, en ligne, autour de moi. Là. Bon. Là. C'est pas à mes enfants que je parle. C'est à mes compatriotes. Ce soir, grâce à toi, mon grand, grâce à toi, ma petite, un homme sera élu président de la République. Tu t'en fous? Toi aussi, tu t'en fous? C'est parfait, tout le monde s'en fout, j'adore cette journée. Bon, alors toi, primo, tu vas retourner dans ta piole et m'enlever cette petite robe de pute au ras du bonbon dans un premier temps. Deuxièmement, tu me fais plaisir, tu te démaquilles, fis ça, si possible, avec un tournevis pour faire sauter toute la ferraille que tu t'es foutue sur la figure. Bientôt, avant de t'embrasser, va falloir se faire vacciner contre le tétanos. Toi, dans un deuxième temps, tu fermes ce bouquin pendant que je te parle. Qu'est-ce que tu lis? Eh bien, c'est très bien. Variation sur la propriété privée de Proudhon. C'est très très bien. Ça te fait marrer? T'as fumé de l'afghan ou quoi? Tu te fais livrer par les pachtounes maintenant? Oh, vous commencez à me fatiguer tous. Ça fait une plombe que je me tue à rassembler le troupeau comme un vieux bouvier bernois. Il est 17h30, le bureau de vote ferme à 18h. Et si tu te remues pas le cul, toi, le grand utopiste, tu vas contribuer à faire élire un président de droite! Tu t'en fous, je sais! Ce gosse est assez cultivé pour corriger chaque année toutes les dictées de Bernard Pivot. Il citait Confucius dans le texte à 14 ans, ça faisait chier tout le monde. À 22 ans, il se voit carrément publié dans la Pléiade et il se tamponne littéralement du président de la France. Tu vois pas le rapport? Toi non plus, vous voyez pas le rapport? Celle-ci, Miss Piercing, elle est pas mal non plus. Voilà une môme qui fait la course en tête depuis la maternelle. À 18 ans, elle vise carrément Sciences Po, fondue enchaînée. Je me retrouve avec deux gogoles affalés dans mon canapé en train de me farcir un cours d'instruction civique niveau CM2 un dimanche d'élection présidentielle. Ça vire au cauchemar, là. Je crois que je vais boire ce soir. Je vais me bourrer le pif à la Suze. J'aime beaucoup la Suze. Ça fait un peu spot publicitaire tout d'un coup, mais je trouve sympathique de relancer l'image d'une boisson un peu injustement oubliée. C'est un combat qui en vaut d'autres. Bon. À propos d'apéritif, si je vous dis Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, il te fait rire. À
Ah, il te fait rire, Pasqua. Avec son accent. Il te rappelle Fernandel dans La Vache et le Prisonnier. Ah ben Pasqua, il est encore plus fort. Il peut jouer les deux. Il a déjà très bien fait La Vache pendant des années. Et comme il pue le pétrole et l'argent liquide à plein nez, je sens qu'il pourrait nous faire un excellent Prisonnier. Tu t'en bats les couilles? Dis donc, comment tu me parles, toi? Tu te bats les couilles devant ton père et ta soeur maintenant? Alors, écoute, moi je vais te dire, puisqu'on parle de couilles, si le grand couillon mafieux exhibitionniste reste à l'Elysée au lieu d'aller passer ses vacances à Fleury-Mérogis, faudra pas s'étonner si la société se met à tanguer. Déjà qu'avec le chef scout ancien Trochard désintoxiqué, on est au bord de l'insurrection. On va se retrouver avec une bonne révolution, je connais qu'il est recherché. Ah, t'attends que ça, toi, petite pétasse. Alors écoute, hein, ce petit côté rebelle des beaux quartiers que vous avez tous les deux, ça me fait doucement rigoler. T'as un poster de Che Guevara sur le mur de ta chambre, ça aurait pu être Brad Pitt ou Johnny Depp, c'était Kif Kif Bourrico. T'as préféré Guevara, s'il avait eu la tronche de Robert Hue, t'aurais viré à droite depuis longtemps. Alors, le symbole de la révolution cubaine, hein, c'est une belle excuse pour tripoter la nuit sous sa moustache. Comment je parle à ma fille, moi? Comment je parle à ma fille, moi? Ça se dégrade ici, ça se dégrade. Deux, l'influence de la vie publique sur la vie privée. Bon, toi, Raymond Radiguet. T'es allé voir ta mère? T'arrives pas à la réveiller? Elle a pris des cachets? Mais ça devient un génocide, cette maison. Vous n'allez pas me refaire la tuerie du temple solaire? Simplement parce que je vais vous emmener voter? Bon, très bien. J'ai compris. Je vais y aller seul, comme un grand. Comme j'ai pas mon permis et que personne ici n'est en humeur de m'accompagner, que c'est dimanche et que Robert, mon chauffeur, n'a pas volé son jour de congé, je vais prendre le bus. Comme n'importe quel citoyen digne de ce nom, je vais aller glisser mon bulletin dans l'urne et j'entrerai plutôt fier d'avoir mené la lutte. Et si votre mère n'a pas été incinérée d'ici là, je vous regarderai tous comme des irresponsables. Pour qui je vais voter? Tu me demandes pour qui je vais voter? Pour qui tu veux que je vote? Je vais voter blanc, comme tout le monde.